dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui mardi, fin d'après-midi, les 5h30. Donc voilà, j'ouvre ce vlog un petit peu en retard, entre guillemets, vu qu'hier c'était férié et que j'étais partie en week-end. Je suis rentrée un petit peu tard et j'ai passé une très très mauvaise nuit. J'ai des douleurs sur le côté. Bref, voilà. Donc, je ne vlog que maintenant et ma lecture en cours est celle-ci, un peu beaucoup à la folie de Liane Moriarty, que j'ai commencé vendredi dernier, me semble-t-il. Et j'en suis ici. Je ne suis pas encore arrivée à la moitié, mais j'y suis presque. Voilà, j'ai pas beaucoup lu ce week-end. C'était de toute façon, enfin, je m'attendais pas à lire beaucoup. Donc, je ne sais même plus si je vous ai lu le résumé derrière. Je vais vous le relire parce que de toute façon ça fait un moment donc je sais même plus si je voulais lui. J'ai craché, pardon. Alors, trois couples épanouis, deux charmants enfants, une amitié solide. Ah oui, je l'ai déjà lu. Et un barbecue improvisé entre voisins par un beau dimanche ensoleillé. Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment. Alors pourquoi, 2 mois plus tard, les invités en gardent-ils un souvenir épouvantable et ne cessent-ils de se répéter si seulement nous n'y étions pas allés? Alors donc. Je me souviens que je vous avais vite fait donner mon avis au tout début, que j'avais lu une quarantaine de pages et que je ne comprenais absolument rien. Ça va beaucoup mieux maintenant, hein. Je suis page 273, il y en a 620. Donc voilà, c'est beaucoup plus compréhensif. Donc il y a ce fameux jour du barbecue, donc on a un chapitre avec ce titre-là, le jour du barbecue, et après on a d'autres chapitres sans titre. Donc là au début, voilà, je vous expliquais, c'est ça, je me souviens maintenant, excusez-moi, je me remémore en parlant. Je me souviens vous avoir expliqué que j'étais un petit peu perdue par rapport à ça parce que ça ne prévient pas quand on parle du pique-nique et quand on n'en parle plus, enfin du barbecue du moins. Donc voilà, donc il s'est passé quelque chose pendant ce barbecue. C'est quand même. Enfin, pour moi, j'appelle pas ça des amis. Ils mettent trois couples épanouis. Une amitié solide. Enfin, franchement, où est l'amitié là-dedans? C'est trois couples, en effet, qu'on va suivre. J'ai l'impression, moi, qui s'aiment pas, qui se critiquent tout le temps. Et que. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé à ce barbecue, mais j'espère que c'est un truc de dingue. Il n'y a pas beaucoup d'actions, c'est assez. Voilà, on va suivre ces trois couples au fur et à mesure. On va suivre tel couple, paf, il y aura le barbecue. Paf, on va suivre un autre couple, il y aura le barbecue. Enfin, c'est par petites bribes. Alors, le chapitre sur barbecue, il est très très bref. Et voilà, donc c'est assez spécial. Je dirais pas que je suis à fond dans ma lecture, mais j'aime bien quand même, ça se lit bien. J'ai quand même envie de savoir la suite, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est quand même très, très, très bizarre. J'espère que ce qui s'est passé est un truc de fou pour justifier ça, que ce soit pas. En fait, ouais, j'ai peur que ce soit un truc. Tout nul, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai peur d'être déçue. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'être surprise. J'ai envie de me dire, ah, mais c'est dingue, c'est un truc de dingue, cette. Enfin, j'ai envie qu'il y ait ce truc. Franchement, j'ai trop envie. J'y crois encore pour l'instant, mais j'ai vraiment peur de me dire non, mais tout ça pour ça, 500 pages pour ça. Et à chaque chapitre sur barbecue, je me dis ah, ça y est, on va savoir. Eh ben non, on sait pas. Donc, je me doute qu'on le saura que par la fin. Sinon, je vois pas trop, trop l'intérêt. Mais ouais, je me demande bien quand même ce qui a pu se passer. Après, je me souviens que le secret du mari, le secret, je l'avais pas trouvé dingue. Enfin. Je crois pas en fait, je me rappelle plus. Je me souviens que ça avait été une lecture bien mais sans plus. Mais faudrait que je me refasse un petit récap. Bon bref, en tout cas voilà pour ma lecture en cours pour ce début de semaine. J'ai repris ma lecture audio tout à l'heure. Là, j'ai récupéré Cracotte comme je vous disais à la fin de mon vlog de la semaine dernière. Je l'ai récupéré, donc les promenades sont de retour, donc mon livre audio aussi, sachant qu'il pleut toute la semaine. Donc voilà, je suis repartie dans Inheritance Games, donc le tome 2. Là, je suis chapitre 65, il y en a 90, donc je suis proche de la fin. Et je me suis dit, oulala, avec cette petite pause, je vais peut-être avoir du mal à me remettre dans l'histoire, et en fait, pas du tout. C'est vrai que c'est jeunesse, donc il n'y a pas de truc.
de trucs de dingue non plus, quoi. Donc voilà, ça se lit très bien, enfin ça s'écoute très bien. Et voilà, par contre, je pense pas que je continuerai que tome 3 directement tout de suite, tout de suite. Je vais faire une petite pause entre les deux tomes. Je ne sais pas du tout encore quoi lire. Bon, je vais déjà terminer celle-ci, on verra après. Et donc, du coup, j'ai récupéré un cracotte qui était chez mon frère. Et mon frère aime bien me prendre des livres en cabane à livres. Alors, il me prend un peu tout et n'importe quoi. Donc là, il m'a donné. Désolée, il y a du bruit, il m'a pris des sacs à caca pour cracotte. Je vous dis tous les détails. Mais voilà, je vais regarder en même temps, mais bon, je regardais vite fait. J'ai juste vu qu'il y avait. Enfin, j'ai juste regardé vite fait s'il n'y avait pas des livres que j'avais déjà. Et il y avait S'adapter ou mourir de Antoine Renan, que j'ai déjà dans ma pile à lire derrière. Donc voilà, je l'ai laissé à ma mère. Et donc, je vais regarder un peu plus en détail. Mais il me semble que j'ai vu un Douglas Kennedy. Ah oui, voilà, Douglas Kennedy. La femme du cinquième. Bon, comme je vous le dis, c'est pas du tout un auteur qui me transcende, on va dire. On verra si je me le garde ou pas, ou si je le donne à ma mère. Ensuite, il m'a pris Asa Larson, Le sang versé. Bon, c'est vraiment des livres que je prendrai jamais dans cet état-là, en cabane à livres. Mais pourquoi pas Asa Larson, c'est du thriller. Nordique, et ça c'est pas mal. En général, j'adhère. Dans le Grand Nord, à 145 km du cercle polaire. Voilà, il y a quoi frissonner. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? L'héritage du sang. Kitty Sewell, qu'est-ce qu'il m'a pris? Il m'a dit que du thriller. Bon, là c'est du vieux, 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 hein, la maison d'édition. Enfin, c'est François Zia. Il me fait rire. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Bodolino de Umberto Eco. Ça, c'est pas du thriller. Hein. Oui, ça a l'air d'être plutôt de l'historique. Hein. Je suppose que je vais en lire les trois quarts, mais bon. Ensuite, ah, un petit Patricia Cornwell. Une enquête de Kay Scarpetta. Monnaie de sang. Ça me plaît. J'ai toujours voulu me faire cette saga, ça va, cracotte? Elle s'endort, elle. Je voulais me faire cette saga, mais je voulais commencer par le premier, bien sûr. Ça, je ne sais pas le combien c'est, mais ça me va. Ça me va. Ah, oui. Qu'est-ce là, c'est quoi, monnaie de sang? Mais il n'y a même pas dedans. Je sais même pas le combien c'est. Moi, je sais que post-mortem, c'est le premier, donc. À voir, si je me le trouve un jour. Ensuite, L'âme de fond de Minette Walters. Là, c'est des thrillers. Bon, pourquoi pas. Oh là, après l'impasse de le grand format, qu'est-ce qu'il m'a pris? Il me reste trois grands formats. Alors. La nuit de l'île d'Aix ou le crépuscule d'un dieu de Gilbert Proto. Alors ça, par contre. Ça, je suis très 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 sceptique. Hein. Vous m'excuserez, monsieur mon frère. Bah, si jamais il y a des romans que vous avez lus ou que vous avez dans votre pile à lire, que vous n'arrivez pas à sortir, c'est le moment de me dire et de qu'on lise ensemble. Je vais mettre de ce côté parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Ensuite, l'avant-dernier. Je sais où tu es de Claire Crandall, qui m'a l'air un peu plus récent chez Albin Michel. Déjà, ça m'a pas l'air d'être un truc des années 30. Bon, il y a 10 ans quand même. Voilà. Et le dernier qui me tente le plus, que j'ai quand même gardé pour la fin, qui est un Jacques Expert, qui s'appelle, j'allais dire Jacques Expert. Sauvez-moi. Donc celui-ci, bah j'aime bien Jacques Expert, hein, donc forcément. Je sais plus quand il est sorti. 2018. Voilà, c'est un petit peu plus récent. Et voilà, j'ai lu Adieu, j'ai lu Hortense, j'ai Qui et deux gouttes d'eau dans ma pile à lire en poche. Donc celui-là, je le lirai avec grand plaisir. Ouais, c'est le seul que je connais, assis avec Asa Larson, je crois que ça me dit quelque chose. Donc voilà. Je voulais regarder en même temps avec vous, comme ça fait ma petite vidéo d'introduction. Comme j'ai pas grand-chose à vous dire sur ma lecture, parce qu'elle est tellement bizarre, cette amitié
très très étrange. Et je veux savoir ce qui s'est passé à ce barbecue. Donc, du coup, je vais vous laisser ici. Je vais boire mon petit lait. Je suis en train de goûter le chai latte là. Ouh, ça sent bon. Ça sent le poivre noir. Il y a une espèce d'arrière-goût, j'allais dire, mais c'est plus arrière-odeur. De poivre ou de clou de girofle. Donc, j'aime boire ça. Je vais peut-être me regarder un petit vlog. Et voilà, c'est comme un lundi, mais on est mardi. Donc, c'est plutôt pas mal. Comme ça, on enlève un jour de la semaine. Ouh, ça va tomber cette affaire. Je fais une petite tour au bout de mon canapé. Donc, voilà, j'espère que vous, ça va, que votre semaine a bien commencé avec ce petit jour férié, que si vous avez travaillé, tout s'est bien passé aussi, parce que tout le monde n'a pas les jours de repos, les jours fériés. J'ai connu ça, maintenant c'est fini. Enfin, non, parce que là, au mois de mai, j'ai un jour de férié où je travaille, et l'été, je travaille aussi. Donc, moi, c'est... Bon, je suis plus en repos que je travaille, mais c'est quand même... Voilà, bref, vous m'avez comprise. Donc je vous laisse ici et je vous reprends plus tard pour, j'espère, vous dire que j'ai bien avancé dans cette lecture. Parce que j'ai vraiment envie de passer à autre chose et de savoir. Voilà, ça fait 3 fois que je dis que je veux savoir ce qui s'est passé. Donc il faut que je lise pour savoir. Mais c'est que c'est assez lent, quoi. C'est assez lent. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de dialogues. Donc ça reste aéré, ça reste fluide. Mais... Ah, allez, hop, 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 on s'active là. Je veux du rebondissement. Allez, à plus tard. Et alors, on est aujourd'hui jeudi après-midi. Je viens vous faire une petite vidéo rapide. Elle est 15h30, pardon. Je n'ai pas été au travail aujourd'hui car j'ai des douleurs assez insupportables. Et j'ai été voir un médecin aujourd'hui. Donc, je me suis dit, je vais même pas ce matin. J'avais rendez-vous cet après-midi aux urgences. Du coup, ça va. Je ne suis pas en arrêt demain, mais j'ai des antibiotiques. Enfin, je suis sous traitement. Je suis en train de chercher le nom. Je suis sous traitement, mais ils n'avaient pas mes antidouleurs en pharmacie. Évidemment, il faut que j'attende encore 24 heures. Donc, je vais prendre sur moi une journée de plus et voilà, subir au travail. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, ce week-end, je vais pouvoir. Peut-être respirer un peu plus. Donc aujourd'hui, j'ai bien avancé dans cette lecture. Je compte la terminer hein, tout à l'heure. J'ai avancé d'une centaine de pages. Je suis page 515 et il y en a 622. Donc voilà, je pense que ça sera terminé aujourd'hui. Et voilà, je suis toujours sur le même avis. C'est une amitié très, 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 très bizarre. Je sais ce qui s'est passé au barbecue et voilà, à voir. Je veux voir comment ça va se terminer, cette histoire. Et puis, je venais parce que j'ai reçu la Sipour Box que j'avais encore une fois complètement oubliée. J'oublie toujours que je vais recevoir la Sipour Box et la T-Box. D'ailleurs, la T-Box, je vais la recevoir bientôt et j'ai pas bu grand-chose de la T-Box de mars. Là, je suis pas dans le thé en ce moment comme j'ai acheté mes trucs de poudre là. Puis là, bah, du coup, je me suis fait un grand thé de la Sipour Box, c'est-à-dire de la thé box. Mangue, poire, ananas, je sais plus quoi. Il y a plusieurs trucs. Alors, Sipour Box, avril 2024. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très émue de vous écrire ce mois-ci car nous fêtons les 3 ans de la Sipour Box. Le temps passe si vite et cette aventure est si belle que je n'ai qu'une chose à vous dire. Que 2 choses à vous dire. Merci du fond du cœur et osez pour ne jamais rien regretter. Ok. Ah, je regarde pas. Pop, pop, pop. Alors, le marque-page. Bon, pour le coup, c'est toujours le même. Il y a juste la phrase d'art qui change. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Martin Luther King. Les phrases sont toujours sympas. Alors, l'illustration du mois, qui est très très printanière à Paris, hein, on va dire. Très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. L'autre fois, j'avais une explication sur enfin, qui était l'artiste, etc. Là, je n'ai absolument rien d'autre que ça. Ah si, l'illustratrice du mois.
Anna Scherhaft. Le paysage parisien, la beauté du quotidien, les voyages, voilà tout ce qui inspire légèreté de l'être. En promenade dans Paris ou en voyage, Anna prend toujours avec elle son sketchbook et ses aquarelles afin de capturer en croquis rapide les scènes ou les personnages qui se transforment plus tard en illustrations. Les couleurs vibrantes, la simplicité et l'élégance de ses œuvres attirent l'attention des gens du monde entier. C'est vrai que c'est joli, on n'a pas la même illustration. Je préfère celle-là. Celle-là est beaucoup plus sympa. Bref, deux petits thés. Un thé noir Gourus. Très bien. Et un African Dream Bio Rooibos Fruité. Très bien. J'en prendrai peut-être un demain matin. Et le livre. Et ils ont mis ça dans une petite pochette. C'est sympa comme tout parce que j'ai perdu ma pochette à mettre dans mon sac à main. J'ai envie de dire. Ça va, toi? Derrière? J'ai envie de dire que ça tombe à pic. Elle est sympa. Elle est en espèce de coton bizarre. Ah, je connais pas encore. C'est bien, ils ont pas tapé dans ma pile à lire encore. Ah, je connais vraiment pas. Frédéric Lepage, promets-moi d'avoir peur. Ah, j'adore la couve. Avec ce manège-là. J'adore. Alors, petit roman de 470 pages chez Pocket. Une jeune femme est retrouvée morte sur le toit d'un gratte-ciel de New York, le visage réduit en charpie par un tir de chevrotine. Pourquoi pas, hein? Il s'agirait de Luna Ritter, vétérinaire de quartier, installée dans une petite rue de Chinatown. Luna ne connaissait pas la peur, ni les hauteurs de la mort. Non, ni les hauteurs, ni de la mort. Ni des hauteurs ni de la mort. Purée. Pour elle, pas question de courage ou d'inconscience. La neurologie a un nom pour ça, le rarissime syndrome d'Urbach-Wiethe, lequel imbibe la capacité d'éprouver la peur. Ah ouais? Cet étrange atout lui a-t-il coûté la vie? Un jeune flic électron libre au sein de la NYPD mène l'enquête. Entre lui et cette femme assassinée, quelque chose se noue qui ressemble à une connivence post-mortem. Chelou. Également chez Pocket, si la bête s'éveille. Ah, ça me parle, si la bête s'éveille. Je vais devoir passer sur Insta. Mais alors, ça, je connaissais pas. Un syndrome qui imbibe la capacité d'éprouver de la peur. Bon, après tout, oui, c'est censé exister, mais j'adore cette couve, je suis fan. Bon, ben voilà, impeccable, j'ai ma scie pour botte. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en littérature générale? Karine Lebert, je connais pas. Historique, La Chambre des Diablesses. Ah, mais j'ai une nana, est-ce que je me suis engagée dans un nouveau challenge? Depuis pas longtemps, je crois début de semaine. Le tour du monde en 80 jours. Donc c'est un challenge avec des défis, des... Voilà, on lit ce qu'on veut, mais on va faire un tour du monde. Donc là, pour l'instant, ça commence le 15 avril, mais on doit collecter un certain nombre de points en équipe avec nos lectures lues. Donc il y a le nombre de pages qui comptent, il y a plusieurs choses. Et voilà, ça a l'air d'être très drôle, on a un petit groupe bien sympa. Et il y a une fille, justement, qui nous demandait si on avait lu La Chambre des Diablesses. Je ne sais plus quelle était la personne, je veux comme ça, mais. Feel good, j'arrive pas à lire, ok. Et Fantasy Fantastique, The Prison Healer. Et New Romance, Campus Baby. Bon, aucun regret. Aucun regret. Donc, je suis contente de cette Sipour Box et de ces thés qui ne sont pas au citron. Voilà, bah c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vais remonter tranquillement. Ah oui, j'ai lancé une nouvelle série. Parce qu'on a terminé. Je sais plus ce que je regardais d'ailleurs. Quand je vous ai laissé la semaine dernière, je crois pas que j'avais fini Knock Off là. Ah oui, je vous disais que j'avais commencé The Society. Exact. Je suis toujours dedans. Il me reste. Je crois que je suis à la moitié, mais c'est des mini-séries. Hein, donc, enfin, je crois. Et ce matin. Je me suis dit, oh bah vu que je suis là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé de films un peu thriller, horreur, parce que mon conjoint n'aime pas trop ça, ce que je peux comprendre. Et en fait, je fais le tour et je suis tombée sur encore une mini-série
d'un roman que j'ai lu il y a longtemps et que je n'ai pas du tout aimé. Et je me suis dit, pourquoi pas en série, c'est une famille presque normale. Je ne me souviens plus du tout du nom de l'auteur. Je crois que c'était Edvardson. Son prénom, c'était en deux lettres, enfin deux composés. Edwardson ou un truc comme ça. J'en mettrai pas ma main à couper. Mais je me souviens que récemment, j'ai vu un autre roman de lui qui était sorti en poche chez je sais plus quelle maison d'édition, qui m'attire. Cette couve, c'est des... Comme un, je crois, hein, je crois que c'est comme une vision vue de haut, avec des tracés de route et de maisons, mais en mode dessin un peu. Et du coup, ça m'attire trop la couve, mais en même temps, je me dis, j'ai pas trop aimé l'auteur. L'autre fois, est-ce que je retente ou pas? On verra si je tombe dessus ou quoi je le prendrai. Je pense par curiosité pour voir si vraiment c'est l'auteur qui me convient pas ou c'est moi qui lui convient pas. Mais voilà, donc j'ai lancé cette série il y a 6 épisodes. Et là, je suis à la fin du quatrième. Donc je pense que je vais le regarder tranquillement pour terminer l'après-midi. Et puis voilà, ça va être mon petit programme. Ce matin, j'ai pas fait grand-chose non plus. J'ai bouquiné et j'ai rangé un petit peu. Voilà, je peux pas faire trop grand-chose non plus vu que j'ai quand même mal. Mais bon, voilà, je vais pas mourir. Donc c'est bon, tout va bien. Je vous laisse ici et je vous tiens au courant de mon avis final sur cette petite chose et de ma prochaine lecture. Voilà, je pense qu'il sera pour le week-end. Sachant que ce week-end, je pars à Nantes, vendredi soir. Bah, demain soir, je pars à Nantes. Pour chez un couple d'amis qui a 3 enfants, donc je suis pas sûre que je lise beaucoup, beaucoup. Mais bon, sait-on jamais, peut-être que sur un malentendu, il y aura des petits moments où je vais lire un petit peu, on verra. Bref, allez, à plus tard. Fin de journée. Je viens juste de rentrer à la maison. Donc tout le monde dort. Ce week-end fut assez éprouvant pour tout le monde, je crois. Donc je viens conclure mon vlog, ma semaine de vlog. J'ai pas beaucoup beaucoup de temps, mais voilà. Alors déjà j'ai terminé Inheritance Games 2. Je sais plus si je l'ai dit, mais je crois pas. Je l'ai terminé. Jeudi, pardon pour la raison. Jeudi après-midi. Ah oui, parce que je suis allée à la LCPM vendredi et j'avais pris mon livre. Bon, bref, j'ai terminé. Donc c'était bien, mais moins bien que le tome 1. J'ai trouvé trop long et je pense que c'est le fait d'avoir enchaîné le tome 1 et le tome 2. Je pense que oui, ça me convient pas toujours. Donc bref, là je vais faire une petite pause. J'ai pas commencé de nouvelles lectures audio. Donc je verrai lundi, de toute façon il pleut encore, donc je prendrai mon casque. Et j'ai terminé également celui-ci,
Pour tout vous dire, je l'ai terminé jeudi soir. J'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, c'était. Je reste sur. Sur mon avis de précédemment. Et. Voilà. Alors, la surprise, je me suis pas dit waouh, j'ai pas été déçue non plus, mais c'était pas exceptionnel. Donc. Un peu déçue quand même, ouais. Je suis un petit peu déçue aussi. Un peu déçu par ce qui s'est passé au barbecue. Mais bon, voilà, ça reste une lecture qui s'est bien lue, qui est bien, bien écrite, etc. Ça restera pas dans les annales. Voilà, donc on reste là-dessus, sur un avis, bonne lecture, mais sans plus. Pour celle-ci, j'ai également commencé jeudi soir, vu que j'avais terminé le livre de Moriarty. J'ai commencé tout simplement celui-ci, le Feel Good de productivité de chez Alessio que j'ai reçu. Là, c'est un de mes derniers ouvrages que j'ai reçu. Alors, j'ai juste lu le prologue. Donc, j'ai lu 25 pages. Et ça m'a fait sourire plusieurs fois. Donc, à voir si ça reste pas trop dans le. J'ai peur en fait que ce soit trop pour les cadres ou les personnes qui ont fait de longues études. Je sais pas. Parce que, comme il est médecin, Ali Abdal. Donc bon, à voir, mais pour l'instant c'est sympa. Je vais le picorer un petit peu comme je fais d'habitude avec les romans Alessio. Comme c'est un peu des témoignages, des documentaires, etc. Un petit peu. Je le feuillette par-ci, par-là. Donc là, j'ai pas retouché depuis jeudi vu que je suis partie à Nantes, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, j'ai commencé ça tranquillement. Donc ça sera sur le mois d'avril, je pense. Et puis à côté, j'ai donc commencé celui-ci. Donc Weverpin de Blake Crouch. Donc là, j'ai pas lu beaucoup, hein. Je suis page 107. Voilà, 107 sur. Et il est pas très gros, 361. À moins qu'il y ait un extrait du tome 2, mais je pense pas. Ouais, épilogue. Donc 361 pages. Donc voilà, pour l'instant, je m'attendais carrément à autre chose. Je suis pas à fond dedans, comme j'aurais voulu l'être, ou comme je pensais devoir l'être. Mais ça va venir, c'est que je pense que comme j'étais pas chez moi ce week-end et puis que j'ai lu par bruit par-ci par-là, un chapitre par-ci. Les chapitres sont quand même assez longs hein, parce que je suis pas à 100 et je suis que au chapitre 5. Donc c'est assez long parce que même là que j'étais avec des jambes, des fois je me posais un petit peu pour bouquiner. Et c'est vrai que pour s'arrêter à la fin d'un chapitre, c'était très compliqué. Enfin très compliqué, je me comprends. Et voilà, il y a beaucoup de dialogues, c'est bien écrit, j'aime bien l'histoire. Je me demande vraiment vers quoi ça tourne, mais j'ai pas cette envie folle d'y retourner pour l'instant. Donc je vais continuer, hein, ça m'empêchera pas d'avoir envie de continuer quand même. Je suis quand même intriguée de savoir ce qui va se passer et de terminer cette histoire, enfin au moins le tome 1, et voir si je me précipite demain en librairie pour acheter les deux autres. Comme la plupart des gens ont fait ça, je suppose que je vais pas y couper, je ne sais pas. Donc bref, voilà pour ma lecture en cours de ce week-end. Donc je n'ai pas plus de choses à vous dire. Je vous dirai le résumé, tout ça, un petit peu plus mon avis en profondeur dans le prochain vlog. Vu que là, voilà, comme je vous dis, j'ai pas beaucoup lu. Voilà, je vais me poser un petit peu, je vais monter le vlog. J'espère que vous, ça va, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, que tout va bien de votre côté et que vous avez fait des bonnes lectures. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez laisser un commentaire, etc. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, de bonne heure, de bonne humeur. Et voilà, portez-vous bien. Salut!